Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'oracle magique des sabbats de Mark Neu et Gaël Masque J'ai reçu des éditions Arcana Sacra pour pouvoir le partager avec vous Je suis très contente parce que c'est un oracle qui m'avait euh, attiré euh, Déjà j'aime beaucoup la boîte euh, avec cette roue de l'année ici avec les différents sabbats Et j'aime bien évidemment les couleurs qui font très automnales je trouve euh, c'est même un hasard parce que c'est pour chaque sabbat qu'il y a un petit dessin, mais comme c'est dans les tonalités orangées, ben moi perso j'adore. Donc c'est un beau coffret aimanté comme ceci. On va regarder ça ensemble après et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Plongez au cœur de la magie qui anime la roue de l'année. Cet oracle vous invite à célébrer les huit sabbats. Ces points clés de l'année qui rythment la vie, la mort et la renaissance de la nature. Chacune des 48 cartes est une déclinaison des énergies spécifiques de ces fêtes sacrées, offrant des perspectives divinatoires, symboliques et magiques, ainsi que des conseils pratiques pour vivre en harmonie avec le cycle naturel de la Terre, de la Lune et du Soleil. Que vous soyez pratiquant, expérimenté ou simplement curieux des voies anciennes, l'oracle magique des sabbats enrichi enrichira votre parcours spirituel. Il vous guidera à travers les solstices, les équinoxes et les célébrations agricoles traditionnelles avec des tirages spécifiquement conçus pour exploiter le potentiel magique et divinatoire de chaque sabbat ainsi qu'un poster de tirage cet oracle sera votre compagnon idéal pour cheminer votre vers la sagesse des anciens et célébrer la beauté du cycle de la vie ce coffret contient un oracle de 48 cartes ainsi qu'un livret explicatif de 208 pages en couleur et un poster de tirage. Donc il est au prix de 32 euros. Et comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la barre de description. Comme ça, si vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce, eh bien, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien. Visiblement, Nougat aime beaucoup le coffret. Bon, euh, en général, partout où je suis, Nougat se trouve. Euh, parfois j'ai l'impression d'avoir un petit chien plutôt qu'un chat parce que n'importe où je vais, il me suit partout. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, donc à l'intérieur on retrouve cette roue de l'année avec les différents sabbats. Ils ont mis un ruban orange, j'adore, hein. c'est assorti à la couleur. On retrouve le livre ici qu'on va regarder ensemble le fameux poster qu'on va regarder ensemble aussi et les cartes qui sont ici j'ai pas été voir en dessous ce qu'il y avait oh, oh purée j'aurais raté quelque chose là regardez avec ce chat noir avec ce chapeau ah oh, le fond de la boîte il est juste incroyable rien que pour ça je serais presque tentée d'enlever le carton maintenant il est trop trop beau voilà donc la boîte on va la mettre à côté de Nougat. voilà on va essayer de déplier le poster, mais il est très grand visiblement. Bon, je vais essayer. Hein. Ça va être fort grand, je crois. Et en plus, il est fort rigide. Ah ouais, derrière on a l'oracle des sabbats comme ça. Voilà. Hop, 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 hop. Bon, je vais vous montrer une partie parce que... Voilà. Vous voyez au-dessus, il est vraiment très grand. En fait, pour chaque sabbat, on a l'emplacement pour mettre une petite carte. Voilà. Bon, j'essaierai je vous... de vous mettre une photo ici. Euh, si j'oublie pas hein, euh, du poster en entier pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc on a le livre et les cartes validées par Monsieur Nougat. Alors on va regarder ça. Voilà. Hop hop hop. On retrouve ces trous de l'année que j'adore moi perso. Je trouve ça super joli. On a un papier fait un peu parchemin. J'aime bien ça aussi. Voilà, puis on a évidemment le sommaire. Donc, on a un avant-propos des auteurs, un à propos des auteurs, puis un avant-propos, la présentation, puis on, on va passer à l'explication des huit sabbats et de leurs cartes. Donc, on a les huit sabbats, et à chaque fois, ben, ils ont une série de cartes. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, on a les cartes du sabbat de Sowin, de Yulimbolk, Ostara. Belten, Lita, la masse mabon et ensuite les tirages. Regardez le nombre de tirages que vous avez, le mot de la fin et les remerciements. Voilà. Donc ben, déjà, si vous vous intéressez à la magie, si vous fêtez les sabbats, si la roue de l'année et les différents sabbats, c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, cet oracle pourrait réellement vous intéresser. Pareil, euh, si vous débutez et que vous n'y connaissez rien et que vous avez envie d'en approfondir un peu plus, on retrouve le beau petit chat ici. Donc, on a un petit à propos de Marc Neu et un petit à propos de l'illustratrice, donc Gaëlle. Alors ensuite, on a un avant-propos. Voilà, bon, ça, je peux vous lire tout. Hein. Je vous laisse la surprise, puis la présentation. Si Nougat voulait bien me laisser tourner les feuilles... Voilà, donc on a les huit sabbats, sont les célébrations spirituelles qui marquent les changements de saison de la roue de l'année dans la tradition wiccan et d'autres traditions païennes. Ils illustrent les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance incarnés par le dieu et la déesse, ainsi que le passage du temps, tel qu'observé dans la nature. À chaque sabbat, les cycles de la terre et du soleil non, sont honorés, tout comme l'influence des deux astres sur la. Les êtres vivants. Les sabbats se reproduisent à des intervalles réguliers tout au long de l'année de concert avec des événements solaires tels que les solstices, les équinoxes ou des dates traditionnelles de célébration agricole. Donc ici on vous parle des sabbats. Voilà. Ici on parle de, du cycle. Les huit sabbats et leurs cartes. Donc on va regarder. Un hein, de plus près, hein. voilà. Sawin qui arrive bientôt, hein, le 31 octobre, mon préféré. Bah Ici, on va vous expliquer hein, les origines historiques et culturelles, les aspects de la mythologie, les pratiques magiques qu'on aura à Sawin. Un résumé et alors les cartes qui sont associées. On aura la mort, le crâne, le chat noir, la sorcière et la porte. Vous voyez à quel point Nougat est en forme hein. euh, depuis qu'il est sorti de son hospitalisation. Il pète la forme. Euh, donc si on a un petit mot, évidemment, dans la partie après, on a beaucoup plus de détails pour chaque carte. Hein. Bon, ensuite, on a le sabbat de Yule, donc ça, on va passer, on va pas tous les regarder. Hein. Ici, on est dans les cartes déjà. Monsieur Nougui les cartes du sabbat de Saoui, donc voilà, vous voyez pour les cartes on a pas mal de choses, hein. on a la signification générale, les personnages, le caractère, la mission du moment, correspondance et action magique, signification divinatoire et événementielle, la signification occulte du symbole, un conseil pratique pour la vie quotidienne, voilà. Et on a ça du coup pour chaque carte. Je crois que ça c'est l'illustration, hein? Oui, c'est l'illustration à chaque fois de la carte. Et on a ça évidemment pour toutes les cartes. Donc ça c'est super chouette le pot de confiture. Moi en plus j'adore les illustrations, je les trouve super chouettes. Bon, on en tirera une après, je vous lirai. Hein? Ensuite on a les tirages, voilà. Donc ici, vous dit, cet oracle n'est pas seulement un moyen de divination, mais une invitation à un voyage à travers le cycle de la nature et les mystères de notre existence, à l'image de Sowin, Nouvel An des sorcières ou Beltane, célébration de la fertilité et de l'amour. J'ai perdu ma ligne. Euh, où est-ce que j'étais maintenant Le tapis de tirage représente la roue des Sabbats et votre terrain de jeu et de découverte lorsque vous superposez les cartes tirées. Sur les emplacements correspondants au sabbat sur le tapis, vous créez des combinaisons pertinentes, relevant des messages importants et des perspectives nouvelles. Cette méthode permet une interaction dynamique entre les cartes et les énergies saisonnières, offrant une lecture riche et multidimensionnelle. Non! On peut pas! On peut pas! Il meurt. Hein? On peut pas! T'as pas un jouet qui traîne quelque part? Regardez-moi cette trogne! si on ne lui donnerait pas le bon Dieu sans confession. On voit comme ça en même temps, vous avez des nouvelles et vous voyez euh, à quel point elle va bien. Tantôt d'ailleurs, il a rendez-vous chez le vétérinaire pour ses deuxièmes vaccins. Alors, avec l'oracle des... Ça bat, les possibilités de tirage sont infinies, allant de méthodes simples pour les questions quotidiennes à des configurations complexes pour des interrogations importantes et poussées. Chaque tirage ouvre la porte à des heures d'interprétation détaillées, offrant des perspectives éclairantes et des conseils pratiques. Alors, bah ici on a le premier tirage. J'ai passé une page? Oui. Le tirage en croix sur la roue des sabbats, donc avec le fameux poster. Voilà. Donc pour l'évolution d'un projet ou d'une question. C'est bien expliqué, hein, vous le voyez. Deuxième exemple pour comprendre quelle sera l'évolution de ma carrière au cours de l'année à venir. Et on a un exemple. Donc ça, moi j'aime bien. On a deux exemples même. Deux exemples par tirage. Comment on va évaluer ma relation amoureuse? Alors le tirage, que dois-je faire? Ici, c'est quelles sont mes actions possibles concernant l'évolution de ma carrière au cours de l'année à venir? Quelles sont mes actions possibles concernant l'évolution de ma relation amoureuse? J'avais chaque fois des, des exemples, ça c'est vraiment chouette. Le tirage de la délivrance, spécifiquement conçu pour répondre à des questions concernant les influences négatives, les malédictions ou les envoûtements, et nous donner des conseils sur la manière de s'en libérer. Ce tirage peut être effectué à tout moment. Lorsque vous vous sentez affecté, arrête de faire des câlins aux pieds euh, par une influence négative ou un envoûtement. Il est conçu pour vous aider à comprendre la nature de l'influence négative, à trouver des moyens où vous protéger euh, et de vous libérer et à retrouver votre énergie positive. Voilà. Oui. Alors, deux exemples pour comprendre de nouveau moi j'adore les exemples ça permet vraiment de bien comprendre le grand tirage de la roue des sabbats voilà un outil divinatoire puissant qui connecte les cycles naturels de la terre et des énergies qui l'accompagnent je vais vite lui donner un petit jouet ça va peut-être l'occuper une petite minute regarde tiens moi je souris. Oh, peut-être que comme ça il arrêtera une petite seconde voilà, donc ce tirage-ci, donc ça c'est vraiment un tirage annuel du coup. On a pareil, un exemple, ça c'est toujours super chouette. Ah, elle est belle, la carte du chat noir, j'adore. Une vision spirituelle du coup de votre année. Le dialogue avec les esprits, bon, donc ici c'est pour communiquer avec le monde spirituel, qui est une pratique qui va tomber plus ancienne, euh, profondément enracinée dans de nombreuses euh, traditions. Voilà. Ici, du coup, il dit l'oracle magique des sabbats avec des images puissantes et ses symboles liés au cycle de la na nature et aux traditions païennes offre un outil particulièrement adapté à ce type de travail spirituel. Donc, ici, vous avez la préparation à faire. Je suis désolée, hein, c'est un peu folklorique, du coup, hein, euh, la fin de vidéo. Le tirage, du coup, avec une, euh, un exemple de nouveau. Tirage à double lecture, plus complet car il fait appel à toutes les cartes. Il n'est pas prévu pour répondre à des questions précises mais permet une analyse poussée de l'année à venir. On a de nouveau un exemple. Ensuite, ici, les deux axes d'interprétation. Tirage par domaine et voilà. Euh, moi j'adore, franchement, je trouve ça trop beau. Alors, à la fin, on a le mot de la fin, forcément. Voilà, avec un petit texte ici. Hop, hop, hop. Voilà. Puis on a les remerciements. Voilà, donc ça c'est pour le livret. Enfin, le livret, non, le livre qui est vraiment très chouette hein, avec euh, bah, tout en couleur sur du papier glacé. Franchement, j'adore. Donc, vous l'aurez compris, il hein, y en a peut-être qui voyant euh, l'oracle magique des sabbats se sont peut-être dit euh, que c'était uniquement des cartes pour travailler ben, sur les sabbats. Bien non. Ça en fait partie, entre autres, mais en plus, c'est un oracle divinatoire euh, comme les autres. Il a un petit format euh, carte à jouer. Moi, j'adore. Franchement, je trouve ça super chouette. Elles tiennent bien en main le dos. On retrouve cette belle roue de l'année. Tranche neutre. Et voilà pour les illustrations. Donc, on a les symboles pour les sabbats. Ils sont marqués ici, en fait. Vous voyez là Je vais vous montrer. Par exemple, ici, on est dans le Sawin, ici, avec ce symbole-là. Voilà. Comme ça, vous voyez. Pour vous y retrouver. Euh savoir dans quel sabbat vous êtes. Voilà, donc on a forcément la carte de Sowin avec une planche de Ouija, hein, vu que c'est euh, le sabbat où on peut rentrer en contact avec les esprits. Les cartes sont de super qualité. La mort, le crâne. Oh, j'adore. Oh, le chat noir en Salem. Il est trop beau. La sorcière, la porte. Ensuite, bah ici on est dans le sabbat de Yule. Ouais. Je vais peut-être juste mettre le livre comme ça. Voilà. Bon, tant pis, je rouvrirai après. Youl, elle est belle. Le soleil. La bougie. Oh, j'adore. Moi, j'aime bien ces illustrations. L'amulette. Et avec un, un effet un peu euh, parchemin aussi. Non, c'est pas pour toi les cartes. L'offrante. Le bonhomme de neige. Ensuite, ici, on est euh, du coup à Imbolc. Avec les crêpes. Bah, C'est marqué dessus. Je me demande pourquoi je cherche dans le livre, d'ailleurs. Bon, l'encens. Le papillon avec la chrysalide, ici. Le pentacle. Oh, le chaudron est trop beau, aussi. Le feu de joie. Ostara. La déesse. Le lapin. Oh, il est trop beau. L'œuf. La nature, le serpent, Beltane, Beltane, le ruban, le feu de Beltane, le chapeau de sorcière, un petit côté chapeau magique, le mât de mai, des fleurs. Ensuite, Lita et elles ont une bordure de couleurs différentes en fonction des sabats d'ailleurs. Donc, l'Ita, la victoire, la couronne de laurier, la couronne de fleurs, le cristal, la fée, la culmination du soleil, la masse, avec forcément le pain, hein. le pot de confiture, j'adore, je trouve ça trop joli. La faucille. Le blé. Je sais pas ce que Nougat a vu, mais ça a l'air intéressant. Le calice. Puis on a ma qui est passée maintenant. La balance. La grappe de raisin. La pomme. Le corbeau, j'adore. Et la feuille d'automne. Voilà. Donc je vais mélanger et je vais en tirer une. Comme ça, bah, vous verrez un petit peu de quoi il en retourne évidemment bon, c'est pas le, les tirages qui sont conseillés mais euh, je vais pas vous faire un tirage en quatre cartes et vous lire tout ce qu'il y a dans le livre ça prendrait trop de temps ou alors il faudrait que je fasse une fois une vidéo dédiée mais là je vais vraiment vous faire euh, j'en en tire une et on va lire voilà donc voilà mon gars c'est un petit peu calmé, on dirait pour le moment elle s'étale bien on va prendre celle-ci ah ma bon qui est justement passée Hop. On tire carrément un sabbat. Alors la 43. Oh j'adore moi les illustrations. J'étais curieuse de le voir, ce, cet oroxy. Je suis vraiment contente, j'aime beaucoup. Et le format des cartes, la qualité. Voilà. Alors qu'est-ce que ça nous dit bon, Tant qu'il est calme, profitons-en. Signification générale. Mabon est une célébration de l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Alors que les jours et les nuits sont de longueur égale, nous sommes invités à réfléchir à notre propre équilibre intérieur, à célébrer nos réalisations et à préparer notre âme pour la saison du repos et de l'introspection à venir. Les personnages, les personnes associées à la carte de Mabon cherchent l'équilibre et la diplomatie. Elles apprécient le rythme naturel des saisons et toutes les formes de routine. Elles font calme et cherchent l'harmonie en toutes choses. Elles peuvent être sages, contemplatifs, reconnaissantes et résilientes. Le caractère. Mabon est serein, équilibré et introspectif. Il rappelle les couleurs chatoyantes de l'automne, l'équilibre délicat entre le jour et la nuit. Le caractère de Mabon est aussi fouillant. Peureux, introverti et économe à l'excès. La mission du moment. La mission de Mabon est de trouver l'équilibre et de vous préparer à la période d'introspection à venir. C'est une invitation à plonger, à plonger en vous-même pour faire objectivement le bilan de l'année passée. Pour les correspondances et les actions magiques, à mabon des rituels de gratitude sont souvent réalisés, ainsi que des rites de purification et de préparation pour le voyage à intérieur de l'automne et de l'hiver. Il est courant de préparer des repas avec des produits de saison, de faire des offrandes de vin et de céréales et de créer des hôtels d'automne. La signification divinatoire et événementielle en divination, la carte de mabon indique un besoin d'équilibre et d'harmonie. Elle suggère un retrait permettant de réaliser un voyage introspectif. Elle conseille souvent de se faire accompagner dans cette introspection par un spécialiste objectif. Elle peut ainsi représenter une période de bénéfice suite à un travail acharné, mais dans ces cas, le fruit, les fruits ne vaudront pas l'investissement. La signification occulte du symbole, dans l'occultisme, Mabon représente l'équilibre précédant la période sombre. Il incarne le cycle obscur de la vie et la préparation pour la prochaine phase de notre voyage spirituel. Et un conseil pratique pour la vie quotidienne, pour intégrer l'énergie de Mabon dans votre vie quotidienne, prenez le temps de trouver votre équilibre. L'introspection n'est pas facile à traverser, mais elle est nécessaire afin de ne pas reproduire les schémas nocifs du cycle précédent. Profitez de l'abondance de la nature, faites des offrandes de gratitude et n'oubliez pas de profiter du changement de saison avec joie et reconnaissance. Voilà, donc vous voyez un petit peu le, le style d'information que vous avez pour chaque carte. Voilà, euh, moi j'aime beaucoup hein, euh, parce que vous avez le personnage, le, le caractère qu'on pourrait avoir et euh, vous pouvez très bien tirer une carte par jour pour élire juste la signification divinatoire. Par exemple, vous avez les actions, les correspondances magiques. Enfin, voilà. Il est vraiment euh, très euh, complet, je trouve. Moi, personnellement, euh, j'aime beaucoup. Et vous voyez, en fait, ça reprend l'illustration en plus grand. Donc, vous pouvez en profiter euh, encore plus. Et je les trouve tellement jolis. Voilà. Euh, franchement, c'est un très, très chouette oracle. Moi bon, évidemment, moi, je suis euh, les sabbats hein, euh, de la roue de l'année. Donc, forcément, euh, que ça allait me parler aussi. Euh, mais même si euh, vous n'y connaissez rien, je pense que vous pouvez. Euh, vous pouvez quand même vous lancer parce qu'il est vraiment très très chouette et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, du coup, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez chouette, si vous l'avez vu passer, euh, si vous l'avez mis dans votre wishlist ou pas, si le message vous parle, euh, si vous travaillez avec la roue de l'année, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je remercie encore Arcana Sacra qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Pour le reste, Nougat fait dodo maintenant. Regardez, il est en train de se reposer maintenant. Euh, qu'il a bien joué. Et euh, mais du coup, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous